سبحان الله والحمد لله والله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes chers frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui sera bi'idnillah, as-sabr, la patience durant les épreuves. Nous sommes tous éprouvés dans cette dunya, des épreuves qui nous paraissent assez difficiles. Mais savez-vous pourquoi Allah Azza wa Jal nous éprouve? Il y a bien sûr une raison, une hikmah. Yaqul Allah Ta'ala dans la sourate 29, verset 2. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « nous croyons » sans les éprouver? Si les gens sont éprouvés, c'est pour faire la distinction entre les véridiques et les menteurs, entre les muslimines ou les munafiqin, c'est-à-dire les hypocrites. Et il dit, nous vous éprouverons certes afin de distinguer ceux d'entre vous qui luttent pour la cause d'Allah Azza wa Jal et qui endurent, et afin d'éprouver vos nouvelles. Sourate 47, verset 31. Allah éprouve celui qu'il aime, dans le sens où quand Allah aime une personne, il lui donne un petit la qui veut dire une épreuve pour effacer ses péchés et l'élever en degré. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, nul malheur, nulle difficulté, nulle tristesse, nulle blessure ne peut atteindre le musulman, même s'il s'agit d'une épine qui le pique, sans que Dieu ne lui pardonne en échange l'un de ses péchés. Rawah al-Bukhari. Mais surtout pour que son abd, son serviteur, retourne vers son Seigneur, jusqu'à ce qu'il soit dans une position si faible que devant Allah, il sera le plus humble. L'épreuve l'aura tellement abattu qu'il aura un sentiment d'infériorité, jusqu'à ce qu'il sera convaincu que sans ce Seigneur Azza wa Jal, il n'est rien. Et ainsi sa confiance envers Allah augmentera. On appelle ceci At-Tawakkul. Sache une chose, c'est que si aujourd'hui tu es éprouvé, c'est pour une raison, pour ton bien. Simplement pour que tu retournes vers lui et que tu délaisses cette dunya qui ne va t'apporter que malheur, wallahi. Sois patient, wabashshir as-sabirin, et fais la bonne annonce aux endurants. La patience est une grande vertu, subhanallah. On a interrogé l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quels sont les hommes les plus éprouvés? Et il a répondu, les prophètes, puis les hommes exemplaires, et ainsi de suite. Les hommes sont éprouvés en fonction de l'ampleur de leur foi. Ainsi, celui qui a une foi ferme aura des épreuves plus dures. Et celui qui a une foi faible aura des épreuves plus légères. Et l'homme subit un grand nombre d'épreuves, jusqu'à ce qu'il parcourt la terre sans avoir de faute. Rapporté par Ibn Hibban, les gens ne savent ce qu'est la patience, et s'ils savaient la récompense qu'Allah offre aux patients. Ya Allah. Et s'ils savaient la récompense qu'Allah offre aux patients, il leur destinera une fin heureuse, fil jannah bi'idnillah. Seulement s'ils se montrent patients et obéissants dans la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tout en montrant de l'endurance face aux épreuves qui vont lui être enjointes, telles que la pauvreté ou la maladie, et ainsi de suite. Augmentez le nombre de du'a, wa kathiru fi du'a, et encore une fois, soyez patients. Ne vous précipitez pas pour obtenir une réponse venant d'Allah Azza wa Jal. Wa yaqul Allah Ta'ala fi kitabih. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna 'an 'ibadati الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Et votre Seigneur dit, appelez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer,
entreront bientôt dans l'enfer humiliés. Encore une fois, ne vous précipitez pas pour obtenir une réponse venant d'Allah Azza wa Jal. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous serez exaucés tant que vous ne vous empressez pas. Les compagnons demandèrent: comment s'empresse-t-on, ô messager d'Allah? Et il dit en disant: j'ai invoqué Allah Azza wa Jal, et il ne m'a pas exaucé. Ya Ahibbaï, celui qui s'en remet à lui, il lui suffit. Celui qui cherche refuge auprès de lui, il le sauve. Celui qui confie l'affaire à lui, il le guide. Mais une chose, n'oubliez pas as-sabr, la patience, et délaissez toutes ces fitanes, toutes ces tentations sur terre. Accrochez-vous au din, dinullah. والله يوزر ريكومبنسرا باذن الله اللهم تب علينا فانك التواب الرحيم وارحمنا فانك الرحمن واعف عنا واغفر لنا واجعلنا من الصالحين في جنات الفردوس جزاكم الله خير وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Votre frère Jason Abou Junaid.